Shalom Aleichem, on est dans Siman, Resh Ein Dalet, Yine Betziat Apat, la Lachot un peu, qu'est-ce qui se passe dans après qu'on a fait Amotsi. Il dit, Beshabbat Beyom Tov, Shemagishim Perot Beseudot Shabbat, Beyom Tov Levarech Aleem, Mutar Leanicham, Velo Laviam, Ashulcham Ad Lachar Birkat Amazon, Kede Levarech Bifneim Leacherim. Alors déjà, on a dit ça déjà hier. Ken, Shabbat et Yom Tov, comme on a une obligation de faire 100 brachot par jour, même Shabbat et Yom Tov, alors comme c'est un problème Shabbat et Yom Tov parce que les tefilot ils sont courts, 7 brachot au lieu de 22, au lieu de 19, excusez-moi, alors on emmène des fruits, on emmène des gâteaux, alors c'est bien, il n'y a aucun problème de les laisser après la Seouda, après le Birkat Amazon. Pourquoi ? Pour avoir plus de brachot. Aussi bracha harona, parce que si tu vas manger pendant le repas, même que tu vas manger bon, après, arrête, tu vas gagner une bracha, mais en fin de compte, tu vas perdre une autre bracha. La bracha harona, si tu as mangé une pomme, tu peux pas la faire quand tu es dans ton repas, même autant que dessert. Gâteau. Nous, les séfarades, on fait pas borer minimisonot sur le gâteau. T'as perdu borer minimisonot, et t'as perdu aussi à la myrias, si il y a une quantité de 30 grammes. On lui dit, Si tu vas le laisser après le repas, c'est comme tu causes une bracha. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème de causer une bracha à Shabbat pour avoir au moins 100 brachot. Mais la chouche basée, les issous gorem bracha chez Nasrecha, chez Mimkom mitzvah, parce qu'il y a la mitzvah de 100 brachot, alors on peut être gorem, on peut causer des brachot en plus. Bon, il faut faire très attention de ne pas faire des brachot. Comme par exemple, quelqu'un il se trouve chez lui à la maison, il prend un thé. Après qu'il a, ou par exemple, c'est fréquent, il prend un café. Après qu'il a pris le café, il veut prendre de l'eau. Tu n'as pas le droit de faire la bracha sur de l'eau. Seulement si tu as institué chez toi à la maison, que toi tu fais la bracha sur rien que l'aliment que tu as en face de toi. Ça veut dire que tu fais comme une condition. Et c'est presque conseillé de faire comme ça. Chez toi à la maison, pas autant qu'invité. Ça veut dire. Tu es chez toi à la maison, tu dis je bois le thé, c'est tout. Qu'est-ce que je veux boire après? Moi je ne vais pas boire. C'est-à-dire que quand je fais la bracha chez Akolnia Midvaro sur le thé, j'ai l'attention de boire rien que du thé. Après, si je veux boire de l'eau, c'est autre chose. Là, je vais faire aussi, encore une autre fois, chez Akol dans l'eau, parce que je n'avais pas l'attention quand j'ai fait chez Akol sur le thé et de rendre quitte l'eau. Mais si maintenant j'ai fait Stafa, comment? C'est bien d'instituer une fois. Une fois, tu fais comme un tnaï. Tu fais comme une condition. Tu dis, écoute, moi, je fais la bracha seulement dans l'aliment que je veux manger. Ça veut dire que j'exclus tous les autres aliments. Quand tu es chez toi, pas en tant qu'invité. Un invité, non. Un invité, tu fais chez Akol sur tous les aliments qu'on va t'emmener. Même si c'est tout devant moi. J'ai des pommes de terre et... Tu parles de quoi? Un invité ou un homme chez toi à la maison? Non, moi, à la maison, chez moi. Oh, toi, à la maison... Si maintenant tu as l'attention, comme je t'ai dit là, tu dis moi là je fais la bracha rien que sur les patates. On parle pas dans motzi. Quand j'ai fait motzi, ça rentre qui tout, presque. Si maintenant tu as l'attention de manger rien que des patates et les schnitzel par exemple, d'accord, patates et schnitzel, et je fais la bracha rien que sur les patates, sur les schnitzel. Bon, pri ha adama et shakol yamid baro. Maintenant. Tout d'un coup, on me donne maintenant des carottes. C'était pas dans le repas. Okay. Là, tu dois faire boré priha adama sur les carottes. Pourquoi? Parce que tu as institué dans ta tête, tu dis quand je fais la bracha, je fais la bracha rien que sur cela. Et c'est tout. Tu as exclu. Tu n'as pas dit stama. Stama, ça veut dire je fais la bracha adama. Après, tu as mangé des patates, tu ne dois pas faire la bracha maintenant sur les carottes. Parce que tu as fait la bracha pour repris Hadama. Mais tu rentres dans une discussion dans les poskim. La discussion dans les poskim, c'est parce que, il y en a qui veulent dire comme ça, puisque maintenant tu manges, alors, yesh grera, tani grar. C'est-à-dire quoi? Tu manges, on va en donner encore à manger, on va te donner encore à manger. Alors, tu as mangé des patates, et maintenant tu vas manger des carottes.
Alors c'est la même bracha, alors tu rends, alors pas besoin de faire la bracha sur les carottes. Mais il y a des poskim qui disent que non. Ton attention, elle était quoi? De manger des patates, c'est tout. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant sur les carottes? Puisque maintenant tu es dans un doute, tu vas pas faire la bracha. Mais parce que tu es dans un doute, en général, il fallait faire la bracha. Alors tu rentres dans des discussions. C'est pour cela, c'est bien institué, Ken, que quand tu es chez toi à la maison, c'est conseillé, quand tu es chez toi à la maison, de dire, moi, je fais la bracha seulement, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que j'ai l'intention de manger. Une fois, tu peux dire que ça suffit, pas besoin de faire tout le temps. Si sur la table, j'ai les carottes et les patates avant la bracha, tu peux pas faire Adama sur les patates et après Adama sur les carottes. C'est pas le droit, tu rentres quitte. Tu sais que tu es sûr que tu vas manger. Et c'est bien de faire comme ça, c'est bien d'avoir la kavana. Ou par exemple, tout ce qu'on va me donner à manger à Adama, je vais manger à Adama. Par exemple, si tu es à la Fandi, c'est la Fandi, ça veut dire que tu es le roi à la maison. Et ta femme, elle te donne à manger, c'est presque comme un invité. Il y en a des gens, des hommes, que c'est le roi à la maison, la femme, elle lui fait préparer à manger. Alors, il est comme un invité. Mais si maintenant, c'est lui qui se lève et tout cela, alors, il faut qu'il gère son repas, parce que c'est pas évident. Il va être gorem le bracha shenatzera. Il va causer une bracha qu'il n'a pas le droit de causer. Pour ça, c'est à gérer son repas. Quand un homme y mange, de s'asseoir, voilà, je vais manger, je rends quitte. Et parce qu'il faut savoir qu'il y a un ta'am, une raison qu'elle dit, que atanigra achi ata'ava. Quand tu commences à manger, tu commences à avoir mangé, à faim encore plus, tu veux manger encore plus. Alors, même là, tu n'as pas besoin de faire la bracha sur les carottes, si tu as fait sur les patates. Pourquoi? Parce que tu as ouvert déjà l'appétit, tu veux continuer à manger, tu veux continuer à manger. Là, tu vas, là, on ne va pas quand tu as fait moitié. Quand tu as fait moitié, il y a encore un problème. C'est pour cela que Chacham mena berosho, l'ilchot brachot, la lachot des brachot, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut apprendre tous les détails, quand est-ce oui, quand est-ce non. Quand je vous ai dit, c'est bien que quand tu es chez toi à la maison, tu fais la bracha sur une pomme, tu penses à manger sur une pomme. Pourquoi? Parce que même ma primara na Shulchan Aruch, tu es chez toi à la maison, d'une chambre à une autre chambre, si tu as fait la bracha ici, tu vas maintenant dans une autre chambre, tu vas manger maintenant une pomme, tu as mangé ici une poire, tu vas manger là-bas une pomme, il faut que tu fasses maintenant sur la bracha sur la pomme. C'est chez nous, Rishout. C'est notre chambre. Même dans la même maison. Nous, on ne fait pas ça. La halakha n'est pas comme ça. La halakha, on fait sa balle. Pourquoi? Parce que c'est le même toit. Il y a des poskim qui disent que non. Là, on fait sa balle, Nagadmara. Sinon, c'est cette belle chez nous, Rishout. Chez nous, Makom. D'une chambre à l'autre. Alors, comment on va faire? C'est bien, chez toi à la maison, pour éviter toutes ces discussions-là, tu fais la bracha sur la pomme. Mais non, j'ai pas envie. Si tu as envie, c'est autre chose. Tu as envie, tu veux manger une pomme, tu veux manger une poire, tu veux manger le kiwi. Alors, fais pour préparer sur tous les haies que tu vas manger. Tu manges ou tu ne manges pas, au moins, tu as fait la bracha sur le kiwi. Tu as rendu déjà quitte le kiwi, la pomme, la poire. Il y en a qui mangent des fraises. Ils vont manger aussi des comment on dit, du melon. Après, une pastèque. Alors, ça, c'est autre chose. Il faut se connaître aussi. Et si un homme, lui, veut manger, non, je veux le melon que j'ai acheté, il est doux, je veux le manger. C'est tout. Ah, tu fais la bracha rien que sur le melon. Et tu dis, dans ta tête, bon, après Adama, je vais faire rien que sur le melon. Comme ça, il n'y a aucun problème. Non. Parce que maintenant, c'est de Vedatra. Hâte qu'il y ait des cars. Il y en a des poskim qui disent que tu as bu de l'eau ou tu as bu un café. Tu as bu un café. Puisque tu as bu un café, alors tu as enlevé de ton esprit de finir le café. Tu commences à parler, tu étudies tout cela. Maintenant, c'est fini. Ton esprit n'est plus là pour le café. Ah, tu te rappelles qu'il y a un café. Tu veux boire le café, tu dois refaire chez Akol. Il y en a des personnes qui disent comme ça. La halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle est, tu as bu du café. Même toute la nuit, tu ne dois pas refaire chez Akol seulement si c'est sorti de la pièce. D'après le Rav Yitzhak Yosef, il dit, si tu veilles pendant toute la nuit, tu bois, même que tu n'as pas bu dans la demi-heure, tu ne dois pas refaire chez Akol.
Pourquoi? Parce que tu as un train, parce que ton attention, c'est de tu vas manger, tu vas manger, tu vas manger, tu vas manger. Il me dit le Rav. Alors maintenant, tu veux continuer à faire sans brachot. Mais la couche basée, les issous, gore, marra, genatzricha. Ou même quand, mitzvah de mea brachot, moutarde, c'est maintenant parce qu'on a une mitzvah de faire sans brachot. Alors là, tu peux être gorem, tu peux causer de faire, oui, encore d'autres brachot. C'est bien, pendant le repas, de prendre cacahuète, tu vas boire après Adama. Okay? Tu vas faire boire après Aed sur une pistache. Ou sinon, tu le laisses après Berkat Amazon. Tu vas faire maintenant sur le gâteau. Boire une maison d'autre après à la Myria, ça dépend de quelle sorte de gâteau. Je vous dis franchement, pourquoi il faut apprendre tous ces halakhot-là. Parce qu'il y en a des fois, les gens, ils sans faire attention, ils font bracha levatala. Et c'est bracha levatala, c'est grave. Plus pour les séfarades que les ashkenazes. Parce que nous, le Maran Ashkenazur, il pense que bracha levatala, c'est de la Torah. Là, dit ça, Hashem, Hashem, la Shav. Quand je mets du lait quand je mets du beurre ou du lait dans la pâte pour faire le gâteau, ça ne fait pas qu'il devient raisonnable. C'est machloket. Je dis, dans Siman Kuf Samechet, Maran, il est possèque les trois tnaïm. Trois conditions, les trois avis. Qu'est-ce que c'est pata babekisni? Qu'est-ce que c'est du gâteau? Alors d'après un avis, c'est du gâteau. D'après les deux autres avis, c'est du pain. Maintenant, la deuxième avis, que c'est une poche. D'après le Maran, il faut avoir les trois pour pouvoir faire moitié. Un des trois. Ça suffit un des trois. Oui, mais quand tu as fait déjà un motzi lechem min haaretz sur ton pain, tu as fait un motzi lechem min haaretz sur ton pain. Maintenant, tu vas manger un gâteau à la fin de ton repas. D'après Maran, le gâteau, il est safek, il est dans un doute si c'est du pain. D'après deux avis, d'après un avis, c'est du gâteau, d'après deux avis, c'est du pain. Et si c'est du pain, quand tu as fait déjà un motzi, c'est bon, ça s'appelle du pain. Toi, tu vas faire encore une maison sur du pain au milieu de ton repas ou même à la fin du repas? Non. Seulement si c'est silouk ashulchan. Silouk ashulchan, ça veut dire que tu as pris la table, comme par exemple ça arrive des fois dans les mariages. Mariage, c'est bon, on a fini de manger. Ils t'amènent peut-être un petit dessert. Et hop, ils prennent la table. Là, il faut faire très attention. Pourquoi? Un homme que lui, qui on lui a pris sa table, il doit, s'il veut continuer à manger du pain, il doit refaire un motzi. Parce que si l'okasuchan, quand on t'a pris la table, c'est considéré que tu as fini de manger. Tu as fini de manger, tu n'as plus le droit de remanger du pain. D'accord? Alors c'est pour cela qu'il faut apprendre tous les petits détails là. Quand lui comprend ces petits détails, doucement, doucement, gentiment, Baruch HaShem, il arrive à accomplir les mitzvot. Il nous dit le Rav. Et c'est bien et c'est conseillé de demander à sa famille de lui donner, de lui emmener des gâteaux et des pistaches, etc. Après qu'on a fait Birkat Amazon. Maintenant, un homme que lui, qu'il a, il a le minag, comme c'est très très fréquent. Et ça, c'est très, très délicat. Quand ils font un motzi, ils ont fait le kiddush. Et avant de faire un motzi, ils préparent la table kimia. Ils font l'apéritif. Il y a un problème. Quel est le problème? Comment tu vas faire un motzi? Même que tu fais un motzi après, si tu fais bien après, une demi-heure après, une heure après, tu as fini de manger, les petits kimia, tout cela, après tu veux faire un motzi. Tu rentres dans un autre problème. Quel est le problème? Hein? Ça s'appelle, si maintenant tu as mangé du gâteau après kiddush, peut-être ça peut y aller. Parce que tu t'es rendu quitte du kiddush. Un kiddush est la lune comme Seouda. Mais si maintenant tu ne manges pas du gâteau, tu manges un peu de cacahuète, un peu de pistache, un peu du poisson. Si tu fais maisonnote 30 grammes, ou si tu bois du vin un réveillite, 86 millilitres, ça c'est va. Ah ben sinon, quel est le problème? Le problème il est que tu n'es pas rendu quitte du kidouche. Parce que si tu n'as pas fait un motzi tout de suite après le kidouche, c'est considéré que tu as fait le kidouche.
Et pas bimkom seouda. Mais là, tu n'es pas rendu du kidouche. Et tu as mangé sans kidouche. C'est-à-dire, si je fais mes notes, mais je mange pas 30 grammes. Si tu manges des morceaux de kidouche, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des anchois avec des petits galettes, des petites galettes comme ça. Si tu ne manges pas 30 grammes de galettes, dans un temps de 4 et 7 minutes, entre 7 minutes, tu manges une petite galette avec un petit anchois, un petit œuf, un petit truc, des olives. Ok? T'es pas rendu qui douche. Mais si je mange 100 grammes, après, dans un cas pareil, si maintenant tu as mangé 30 grammes et tu vas faire un motzi dans une petite demi-heure, une heure après, ça va, il n'y a aucun problème. Tu as fait qui douche, tu as fait le kimia, dans une heure après, il y en a qui mangent, ils mangent à midi. Ils viennent de la Beth Knesset à 10 heures. Hein, ils font qui douche, kimia, ils vont se mettre aux notes. Jusqu'à midi, ils ont déjà fini, ils sont calmés. Maintenant, à midi, ils vont manger Seouda Chnia. Il y a un autre problème qui peut rentrer dans cela. Pourquoi? Parce que le motzi que tu as fait, que tu vas faire à midi, peut-être c'est midi, mais c'est passé le temps de Hatzot. De midi, comme en Israël, maintenant c'est 11h35 par exemple. Tu as passé les 35, c'est considéré à la Seouda comme après-midi. Et a priori, il faut instituer la deuxième Seouda avant Hatzot. Comme ça, le Rambam. Ah, mais je non. Pas le Shabbat. La Seouda, il y a trois Seoudot. Trois Seoudot Shabbat. Première Seouda, c'est la nuit. La deuxième Seouda, c'est le matin avant Hatzot, avant le milieu de la nuit. Et la troisième Seouda, c'est après Tfilat de Mincha, avant la Shkia. Il faut manger avec le pain. Maintenant, il dit le Rav. Alors, si quelqu'un il a le minag de manger des petits poissons, il a sur qui s'appuyer. Il faut faire attention de ne pas manger plus que kazait. Et comme ça, tout de suite, tu peux faire après un motzi dans la demi-heure. Donc, si j'ai le minag de faire ce petit kémia comme ça, faut que dans les 7 minutes, je fasse motzi? Non, pas 7 minutes, hein, demi-heure. Non, vous avez dit qu'il faut faire on a 5 ou 7 minutes pour être acquitté du kidouche. Si tu manges maisonnotes. Ouais, voilà, ouais. Si tu manges des maisonnotes, 30 grammes. Si je ne fais pas les 30 grammes, il faut que dans les 7 minutes, je fasse au moins un motzi. Non, il faut que les maisonnotes, il faut que tu manges des maisonnotes dans les 7 minutes. Pour que tu rentres cric. Regarde, ça se divise en deux parties. Il y a kidouche, il faut kidouche bim comme Seouda. Pour que le kidouche, tu rentres du kidouche, il faut que c'est une Seouda à côté, pour que c'est un repas à côté le kidouche. Si tu n'as pas de repas, ça fait rien que le kidouche, tu n'es pas rendu du kidouche, c'est considéré que qu'est-ce que tu vas manger après comme tu as mangé sans kidouche. C'est une avéra. Alors si tu as mangé des maisonnotes, du gâteau, là, on parle de 30 grammes, et que tu as mangé ces gâteaux de 30 grammes dans les 7 minutes, c'est considéré, là, quand ça fait le kidouche, avec les gâteaux, ça va. D'accord? Maintenant, si tu veux manger ces petits gâteaux-là, et après tu vas faire un motzi, ces petits gâteaux-là maintenant, si tu vas manger un kazait, ça veut dire 30 grammes, maintenant, tu seras obligé de faire en premier bracha harona, la dernière bracha, la miriam, la kakala, la batnuma, ta sade. Mais là, c'est un problème, tu n'as pas le droit. Pourquoi tu n'as pas le droit? Parce que tu dois faire maintenant un motzi. Et le birkat amazon, il va rendre quitte. Alors, tu es gorem, tu causes une bracha chez Nazira. C'est mieux de quoi faire qui douche, un motzi, tu manges un kazait de motzi, 27 grammes, 30 grammes. Mange tout ce que tu veux après, le kémia, tout ce que tu veux après. Il y en a, ils font ça pour faire les brachot. Oui. Ah ben, fais ça après, mais quand Amazon. À la maison, on faisait comme ça, on faisait qui douche et après, on fait juste. Fais après, mais quand Amazon. Fais après, mais quand Amazon. Ou si tu veux faire tout cela, fais après motzi. Mange un kazaït. Tu peux faire les brachot. Tu peux. Et tu peux faire. Adama, tu peux faire. On parle de quoi? On parle de poisson, non. Aval, etz, tu peux faire. Par exemple, cacahuète, c'est Adama. Les noix de cajou, c'est etz. Tu gagnes deux brachotes. Et un bonbon, c'est alcool. Du sucre, tu peux faire, c'est alcool. Même que Maran,
Il y a une marloquette dans les Rishonim, est-ce que c'est Adama chez Haetz? La halakha c'est Haetz, c'est, excusez-moi, chez Akol, le sucre. Marloquette, à Rishonim. Maran Ashuran Aruch, il est possède que le sucre c'est chez Akol. Il n'y aura même comme chef Charles, quand on peut. C'est bien de manger dans une table qu'il y a quatre pieds. Pourquoi? La table, elle est considérée comme un misbéar, comme un autel. Tu fais des offrandes. Quand tu manges, c'est considéré comme si tu as fait une offrande. Et c'est bien d'avoir du sel aussi dessus, sur la table. Pourquoi? Quand tu faisais l'offrande, il y avait du sel. Tu mettais du sel sur la viande. Il y en a qui ont le minhag de manger des pommes la nuit de Shabbat après la Seouda, mais la terre est à Shouchan Betapurim et de remplir et de faire beau la table avec des pommes. Il y en a qui ont le minhag de manger des œufs à chaque fois dans tous les Seoudot, et ça c'est des minhagim. Mais c'est pas obligé, c'est pas comme halakha que c'est obligé. Et là, il faut faire, oui, attention dans la halakha. Chazak baruch.